Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjoumendé, à Boumé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2. 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour et bienvenue dans la définition de ce matin. CDD signifie Commission du développement durable. Elle est de 1993 à 2013 l'organisme chargé de suivre les résultats du sommet de la Terre sous l'égide du Conseil économique et social des Nations Unies. Elle est remplacée en 2013 par le Forum politique du haut niveau sur le développement durable. Pour la petite histoire, la Commission du développement durable est créée à la suite de la résolution du 22 décembre 1992 sur les arrangements institutionnels pour le suivi de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement lors de la 47e session ordinaire de l'Assemblée générale, bien sûr. Alors, sa création est la conséquence, j'allais dire, d'une recommandation du chapitre 38 de l'agenda 21. Au sein du Conseil économique et social des Nations Unies, cette commission dépend du département de l'information. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci, à très bientôt.